Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur et un honneur de vous accompagner sur Info Télévision. Bienvenue sur votre plateau de votre émission À vous la parole. Comme à l'habitude, nous aurons l'opportunité ce soir d'être en face d'une personnalité reconnue au Cameroun. C'est un élu du peuple qui aura donc le bonheur de se faire découvrir par vous, téléspectateurs fidèles. Pendant 1h30, nous aurons l'occasion non seulement d'éplucher notre invité côté cour, mais après côté jardin, question de vous permettre à la fin de cette émission de tout savoir et de savoir tout ce qu'il y a à savoir pour ce qui concerne la ville des Kribi et quelques sujets qui concernent la décentralisation et bien entendu l'urbanisme et le désordre urbain. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir notre invité à travers ce portrait et on se retrouve juste derrière pour la suite de l'émission. À vous la parole reçoit ce vendredi le premier magistrat de la ville de Kribi. Né le 25 avril 1955 à Iboulova, Guy Emmanuel Sabikanda fait ses études primaires et secondaires à Iboulova avant d'intégrer en 1976 l'université de Yaoundé, où il ressort 4 ans plus tard, nanti de sa licence en droit à la faculté des sciences juridiques et politiques. Téméraire, il s'essaye à plusieurs activités et devient, par son engagement et sa volonté, enseignant de langue, notamment la langue française, vit révoltant. Engagé et déterminé, il embrasse la politique et milite au sein du RDPC de la base au poste de président de sous-section qu'il occupe à ce jour. 20 ans de militantisme engagé qui le porte à la tête de la commune des Kribi 2e en 2007. En 2020, Guy Emmanuel Sabikanda devient le premier maire de la ville de Kribi après 2 mandats à la tête de la commune de Kribi 2e, un poste obtenu de longue lutte. Volontaire, il reste soucieux de son environnement et de son entourage. Marié et père de plusieurs enfants, Guy Emmanuel Sabikanda est chevalier de l'Ordre de la Valeur. C'est donc un homme au caractère bien trempé qui s'installe ce soir sur le plateau de votre émission À vous la parole. Bienvenue Monsieur le maire. Chers téléspectateurs, chéris, vous l'avez compris, ce soir, nous sommes en face du maire de la ville de Kribi, monsieur Guy Emmanuel Sabikanda, qui nous a fait l'honneur de faire le déplacement de la cité politique Yaoundé pour échanger avec nous. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, merci pour ce chaleureux soin de bienvenue. C'est toujours un plaisir de venir dans la capitale. C'est le centre des décisions, des grandes décisions et des grandes manœuvres. Alors, c'est toujours un plaisir lorsque nous y sommes. Monsieur le maire, vous avez écouté le portrait que nous avons essayé de brosser de votre parcours. Ce soir, on a retenu que la période universitaire de votre vie est l'une des périodes que vous avez le plus appréciée. Oui, c'était une période difficile, une période très très dure. Vous mangez une fois par jour, malgré vous, vraiment vous parcouriez à pied lorsque vous n'avez pas de moyens, sous le soleil, sous la pluie. Bon, à l'époque, c'était la période où il y avait des bus à l'université de Yaoundé, où l'accès était assez fluide. On payait pour toute l'année 3300 francs, c'était, je n'oublierai jamais cela, on appelait ça les œuvres universitaires. Bon, ben, c'est une bonne période où on ouvre les yeux à la vie, à la vraie vie, on regarde, on apprend à faire des choix. Vous avez un parcours plutôt juridique et après vous décidez de devenir enseignant de langue. Comment se fait le transfert? Oh, le transfert a été très simple. Hein. Le transfert se fait parce qu'on est amoureux de la langue. Vous voyez, nous, de l'époque, on était très
Méticuleux. Je me rappelle dans ma vie du collège, lorsqu'on écrivait ou on recevait des lettres, c'était la période des lettres. Ouais. Alors, certaines lettres, pour se moquer des uns et des autres, on disait, mais ça, c'est son et musique. Ouais. Ça veut dire le son et puis la musique, on écrit n'importe quoi. Je suis très très méticuleux par rapport à ça, par rapport à l'orthographe, par rapport à la grammaire, par rapport, vraiment non, la langue, il faut la reproduire telle qu'on l'apprend. C'est vrai qu'aujourd'hui ça change, et à côté de ça, il y a mon amour de lecture, hein. La lecture, il faut lire. Je ne suis pas de ceux qui disent, je ne suis pas dans la catégorie dont on dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, vous mettez ça dans son livre. Non, je ne suis pas de cette catégorie-là. Et vous avez l'impression aujourd'hui que la lecture occupe encore la même place ? La lecture ne peut plus occuper la même place. La lecture n'occupe plus la même place, de un, parce que les bibliothèques, on ne les trouve pas partout, c'est dommage. Et l'outil informatique, le numérique est venu, et puis les gens, vous voyez, on n'écrit plus, on n'a plus le temps de lire. Parfois, on lit dans le numérique, mais je me demande comment on peut lire dans le numérique. Avec les batteries qui faiblissent et autres, là, non. De plus en plus, les gens ne font lire que ce qui les intéresse dans le numérique. Mais acheter de bons livres, je ne pense pas que ça intéresse encore plein de gens. À l'école, on se plaisait à citer des citations, des auteurs et autres, là. J'ai eu la chance de parcourir Homer dans l'Odyssée, un ouvrage de plus de, je sais pas, très volumineux, un peu imbibé de la mythologie grecque. Oui. Ça, c'est... Mais, et puis, dans ma jeunesse, dans mon enfance, ma mère m'a initié à la lecture de la Bible, que j'ai lu, que j'ai parcouru. Je me suis même fait un défi. Il fallait la lire. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous y êtes arrivé ? Oui, j'ai pu, mais vraiment... En survolant. J'ai lu, et puis c'est comme ça. On quitte d'enseignant de langue à homme politique, comment ? J'ai l'impression que c'est pratiquement lié. Hein. Mm-hmm. C'est pratiquement lié, vous savez. Il faut avoir envie de voir les choses évoluer positivement. Il faut avoir envie d'impacter. C'est ça le rôle du politique. C'est ça le rôle de l'homme politique. La définition noble de la politique, c'est l'application, c'est les scènes, la gestion saine des hommes et des choses de la cité. C'est ça la définition noble de la politique. Saine et bonne gestion des hommes et des choses de la cité. Et pourquoi vous choisissez le RDPC ? Oh ben, je choisis le RDPC parce que... d'abord dans l'UNC, j'ai vu des gens étant élève puis étudiant. L'UNC, c'était le parti unique, puis des changements sont intervenus en 82, voyant le chef de l'État arriver, et puis Bamenda 84. Il faut dire ici que je n'ai pas été des premières heures là dans le RDPC lorsque nous arrivons dans les années 90. Dans les années 90, c'est la mouvance, voilà. On a flirté avec un parti d'opposition, l'UNDP, qui est aujourd'hui d'ailleurs... Le parti allié. Le parti allié. Mmh. Et puis on s'est dit, mais pourquoi il faut aller dans le RDPC ? Nous y sommes depuis bientôt 30 ans. Pas de regrets ? Aucun regret, au contraire. Vous répondez du bilan du... Bien entendu. Du renouveau ? Nous répondons du bilan du renouveau, nous en sommes fiers. Moi, pour ce qui me concerne, chacun à son niveau. Parce que le bilan, le renouveau, il se résume dans la pensée présidentielle. Mmh.
qui est ici dans, pour le libéralisme communautaire. Lorsqu'on lit cet ouvrage, c'est toute la pensée, c'est toute l'idéologie politique du chef de l'État. Et vous avez l'impression que cette idéologie est appliquée au quotidien par les militants du RDPC ? Les militants du RDPC font ce qu'ils peuvent pour essayer de l'appliquer, chacun à son niveau, chacun à son niveau. Moi, dans mes fonctions de maire, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'apporter des solutions au peuple, le bien-être, le minimum. Lorsque je suis maire à Kribi 2e, j'y arrive, je suis pionnier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je trouve des ressources très maigres. Je trouve, mais je réussis quand même à être élu pour un deuxième mandat, parce que là, je me suis mis à genoux. Je dis non, mais je n'ai pas trouvé. J'ai expliqué que les CAC, les centimes additionnels, je les trouve annuels de 4 millions, parfois 8 millions, ça ne peut pas. Donnez-moi une chance. Et les populations m'ont entendu, et puis aussi, surtout que tout pouvoir vient de Dieu. Oui. Tout pouvoir vient de Dieu. Le reste, là, c'est des gris-gris inutiles. Et ils m'ont donné cette chance-là, nos militants et nos populations. Et qu'est-ce que je fais à Kribi 2 dès l'entame de la deuxième mandature, je laisse un hôtel de ville, je laisse un marché R plus 1 de 300 boutiques, je crée des halles de vente de poissons à tel ou tel endroit, on fait des routes, nous sommes heureux parce que un peu après 2010, on commence à recevoir les 27 millions qui sont là aujourd'hui alloués aux communes pour les routes. Mmh. Nous nous y mettons et puis voilà. Troisième. Pionnier. Oui. Dans la commune de Kribi 2. Oui. Pionnier en tant que maire de ville. Vous avez l'impression que le chiffre 1 vous réussit? Sans aucun doute, le chiffre 1 est en train de me réussir parce que je suis le premier maire de Kribi 2e en 2007. Je suis le premier maire de la ville de Kribi. C'est un honneur. Et puis, la ville de Kribi n'est plus notre ville qu'on a connue. Et aujourd'hui, je le dis, je suis là parce que c'est la volonté divine. Que des gens ne pensent pas, je suis de ceux qui pensent que tout pouvoir vient de Dieu. Et si vous prenez des choses qui ne sont pas les vôtres parce que vous avez mis de l'argent, parce que vous avez trafiqué à gauche et à droite, vous n'allez pas réussir. Et je suis en train de réussir le pari de cette ville-là. Parce que quand j'arrive, je mets la communauté urbaine à un niveau budgétaire assez fiable. En ce moment, sont garés derrière le nouvel, à côté du nouvel hôtel de ville qu'on est en train de construire, des engins de travaux publics que je présenterai au public de Kribi dans les jours à venir. On va sûrement s'intéresser à Kribi de fond en comble. Voilà, vous allez nous expliquer tous les projets que vous avez pour Kribi. Voilà. Je vous propose pour l'instant, monsieur le maire, qu'on prenne une transition. On va s'intéresser à deux premiers sujets. On va parler de l'urbanisme et du désordre urbain, une réalité que doivent affronter tous les maires. Ouais. Et puis on parlera de décentralisation. Et bien sûr, tout de suite après, on ira faire un tour du côté des Kribi, si vous ça n'avait convenance, on va prendre la transition. D'accord. Vous l'avez compris, hein, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Guy-Emmanuel Sabikanda. On échange sur la réalité camerounaise et même celle qu'il connaît au quotidien. Si je vous demande de prime abord, Monsieur le maire, quand vous jetez un coup d'œil parlant d'urbanisme au Cameroun, qu'est-ce que vous voyez? L'urbanisme est tâtonnant. L'urbanisme nous ressemble un peu. Parce que ressemble aux Camerounais, parce que nous aimons faire des choses hors la loi. Or, nous avons une des meilleures lois concernant l'urbanisme. La loi numéro 003 du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun. Vous voulez bâtir, vous devez avoir un permis de bâtir. Si vous n'avez pas de titre foncier, on vous concède un permis d'implanter. Vous voulez faire des lotissements,
vous déposez au niveau de la commune, de la communauté, c'est aujourd'hui une demande, de une autorisation de lotir. Et on vous donne cette autorisation et en vous demandant d'aller faire un plan, vous nous présentez cela et puis nous corrigeons. Mais vous voyez partout dans la République des gens, ce que je parle de, je vais parler de ce que je connais bien sûr, à Kribi. Les gens viennent, ils nous ont dit, vous savez certainement l'engouement foncier qu'il y a eu là-bas. Ils ont dit qu'ils sont des aménageurs. J'ai dit, quand je regarde la loi de 2004, je ne vois pas l'aménagement, parce que ça, au pays, il y a des règles. Après, ils ont changé de terminologie, ils disent qu'ils sont des, je ne sais pas moi, des partenaires aujourd'hui. Bon, partenaires, parce que toujours, parce qu'on évite de respecter. Personne dans ce pays ne respecte la loi de 2004 régissant l'urbanisme en matière de lotissement. Vous venez, vous achetez, vous allez faire votre lotissement, vous allez chez le délégué de l'urbanisme, il met son visa, vous allez chez le délégué de régional, il met son visa, et puis on dit au maire de signer. Je dis, je ne signe pas des choses comme celle-là. Pourquoi vous voulez nous imposer un urbanisme? Kribi a besoin des rues larges. Les plus petites rues de Kribi devraient avoir 20 mètres. Les plus petites. Parce qu'il faut se projeter sur au moins 50 ans. Il faut apprendre des autres. Vous voyez, il est impossible de circuler à Douala, à Yaoundé, dans des embouteillages parce qu'il n'y a pas de voie. Ou bien elles sont assez étroites. Elles sont assez étroites. Pour moi, à Kribi, je voulais des voies de 20 mètres, mais lorsqu'on m'apporte des lotissements à approuver, j'ai du mal à approuver. Après, on me tire. Vous avez l'impression que vos confrères, je peux le dire ainsi, des autres villes, parfois acceptent de paraphrer des lotissements qu'on apporte comme ça. S'ils reçoivent même des lotissements, parce que moi, je pense que Kribi a eu beaucoup plus d'engouement foncier. J'utilise ce terme-là parce que le port est en train d'arriver. Je ne pense pas que les autres maires aient eu cette chance. Ils n'ont pas eu cette chance et puis ne sont pas tellement sollicités par rapport au lotissement. Qu'ils m'en excusent, mais les gens, tout le monde veut avoir le terrain à Kribi. Et lorsqu'on veut avoir du terrain, on est prêt à faire ce qu'on veut. Sauf la loi. Sauf la loi. J'ai vu des gens venir. Et c'est anormal. Il y a des gens à Kribi qui ont plus de 100 titres fonciers. Il y a des gens qui ont 1000 hectares à eux. Mais c'est pourquoi? Mais c'est pourquoi? Ça va nous amener un jour à un blocage. L'État ne pourra plus investir à Kribi. Parce qu'il n'y a pas d'espace public. Tout sera vendu. Tout a été vendu. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas. Je suis de ceux qui pensent que Kribi aurait pu bénéficier d'un statut particulier eu égard à l'arrivée du port, à la construction du port. C'est-à-dire, on dit, voilà une zone d'action prioritaire. Zone d'action prioritaire. On interdit les ventes. Tant pis. On interdit les ventes et on circonscrit les zones. Parce que c'est à nous, c'est vrai, de faire un PDU, plan d'urbanisme, voilà. Mais celui que j'ai trouvé fait par l'ancien délégué du gouvernement, par le délégué du gouvernement, et qui avait été approuvé par le Mindu à l'époque, est dépassé. Parce qu'il y a eu une explosion démographique très forte. Des gens qui viennent pour escompter, pour espérer avoir quelque chose au port, et puis les entreprises tout autour. Donc, personne n'a suivi cela. Des gens sont venus, ils ont acheté des terres, immatriculation directe, en violant encore une loi importante ici, celle qui protège les autochtones et les petites gens comme nous autres. Dire que vous ne pouvez pas avoir une immatriculation directe si vous n'avez pas mis ce terrain en valeur avant le 5 août 1974. Mais ce qui est terrible dans cette... Lorsque vous regardez, vous parcourez la plupart des titres fonciers de Kribi, je dis 99% de ces titres sont... Frauduleux ? Falsifiés. Parce que quelqu'un qui est né en 60 ne peut pas avoir mis
avant 74, il a 14 ans, Campo en valeur, Akomdu en valeur, Lokoudja en valeur, Kribi premier en valeur, Kribi deuxième en valeur. Ce n'est pas possible. Et ça a été un de nos combats. C'est pour ça que ceux qui parlent du foncier au Cameroun disent que si demain ça se gâte dans ce pays, ce sera le problème foncier. Parce que je me rappelle très bien, le 27 mai 2017, je tenais alors mon conseil, j'étais à Kribi deuxième, il y a eu un décret du Premier ministre qui mettait les maires dans les commissions consultatives. Mais ça fait... Je ne sais pas. Feu de paille ? Bien, il a rapporté, le Premier ministre a rapporté son propre texte à peine un mois et demi. Et quelqu'un, les présidents, vous savez qui gère, il a jubilé, il m'a appelé, il me dit, mais vous avez suivi, vous n'êtes plus dans les commissions consultatives. Parce que, bon Dieu, pourquoi est-ce qu'on va distribuer les terres alors qu'un maire qui doit donner les orientations n'est même pas dans cette commission ? Vous distribuez les terres et puis vous lui demandez de vous montrer là où il faut faire telle ou telle chose. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut se dire que le désordre urbain observé ci et là aujourd'hui sont la résultante de la corruption? Non. Je n'ai pas envie d'aller dans le cadre de la corruption, hein, dans le domaine de la corruption, mais c'est des occupations, c'est des constructions anarchiques. Anarchiques. Quelqu'un vient, je suis un villageois, je vous montre mon espace, vous vous construisez. On ne regarde pas, on ne cherche même pas à savoir si le terrain est loti ou pas. Et nous avons ces problèmes aujourd'hui. Quelqu'un a son titre foncier de 5000 mètres carrés, il ne le lotit pas, il bâtit. Hier encore, avec certains, j'étais avec mes collaborateurs hier, j'ai trouvé quelqu'un qui a un hôtel à Kribi, mais il n'y a plus de servitude de passage, parce qu'il a occupé tout l'espace. Bon, il a acheté ses terrains dans les années 70, mais c'est énorme. Vous ne pouvez pas acheter 3 hectares pour investir dessus au cœur de la ville. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, donc, je dis, je veux faire les routes, je ne peux plus faire les routes là. Est-ce que vous n'avez pas le droit de casser? On a le droit de casser. Et ça, j'ai donné une instruction ferme, hein, parce que je tenais cette réunion hier avec mes collaborateurs qui me faisaient le compte rendu des pistes à faire par un financement de la BAD. Alors, on était buté. Parce qu'à terme, je veux qu'il y ait une piste piétonne. Mais on était butons, on dit, mais voilà, monsieur le maire, vous avez ouvert là-bas, mais ça s'arrête ici, parce qu'il y a un titre foncier. Je dis, mais si la servitude est prévue, il me dit, il y a une servitude qui est prévue, il y a un plan même qui a été approuvé. Je dis, mais il faut casser. Il faut casser. Vous ne craignez pas des représailles? Quand on est un maire, hein, un maire qui ne va pas au tribunal n'est pas un bon maire. Un maire qui ne se fait pas taper sur les doigts parce que des gens de partout tirent dessus en disant mais allez faire ceci, allez faire cela, n'est pas un bon maire. Et il faut résister. Il faut résister parce que vous croyez à ce que vous faites, vous êtes certain de ce que vous faites, vous êtes sûr de votre bon droit et puis vous avez une vision. Je sais que beaucoup de gens veulent être des maires aujourd'hui. Ils veulent être des maires pour le prestige de l'écharpe. Mais est-ce que nous avons une vision? Une vision, c'est-à-dire ramener le futur vers le présent et le transformer ici et maintenant. Est-ce que nous l'avons? Nous ne l'avons pas tous. Le degré de désordre urbain dans lequel nous sommes embourbés aujourd'hui, parlant du Cameroun, puisqu'on est d'accord, au moins que presque la totalité des villes camerounaises ne respectent pas véritablement des normes. Est-ce qu'on peut réussir à redresser tout cela dans cet état de choses? Est-ce qu'on peut, malgré les, avec les politiques hein, mises en place, réussir à restituer, à restaurer un plan, ne serait-ce qu'acceptable au Cameroun? Ça peut se faire. Ça demande d'énormes moyens. Ça demande une volonté politique forte de la part des élus locaux que nous sommes. Le développement ne peut pas partir du haut vers le bas. Ce n'est pas possible, c'est même un non-sens. Ça part du bas vers le haut. Ça peut se faire. Je vais parler pour la ville de Kribi. Je dis, la plus petite des rues doit avoir 20 mètres. Eh bien, il faut casser. Il faut casser, il faut ouvrir. Pour le bien du futur de nos enfants. Si nous ne réussissons pas à le faire aujourd'hui,
Ben, demain, pour se déplacer, ce sera la guerre. Pour entrer dans la ville, ce sera une bataille. Pour sortir de la ville, la fluidité, la mobilité bloquée. Il faut cette décision forte pour casser, pour ouvrir, pour l'intérêt général. J'étais à Barcelone hier. Barcelone a été cassée plus de 238 fois, y compris des églises, y compris des églises, des bâtisses. Et vous voyez que c'est une des villes les plus fluides aujourd'hui au monde, en Europe. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ce qu'on voit dans nos villes, vous savez, les quartiers, la plupart des quartiers sont spontanés. Et quand vous regardez un peu l'histoire de la concession de nos villes, toutes nos villes sont bâties à partir de l'emplacement du colon. La préfecture ou la sous-préfecture. C'est surtout regroupé. La préfecture, la sous-préfecture, le camp des blancs qui devient camp des fonctionnaires. Le marché n'est pas très loin et l'école n'est pas loin. Il ne faut pas que les enfants des gens de l'époque. Et vous voyez que c'est comme ça. Et puis, nous, du village, nous, du Tanga Sud, on vient, on se met à gauche et à droite, on place nos maisons. Tiens, et nous sommes dans l'anarchie. Et pour prendre la ligne droite avec ce sujet, j'ai envie de demander, vous avez parlé des gens qui ont 1000 titres fonciers. Déjà, vous-même, vous êtes d'accord que ce n'est pas normal. Comment on fait d'abord au Cameroun pour réussir à avoir 1000 titres fonciers? Il faut avoir des moyens énormes. Il faut avoir des moyens. 1000 titres fonciers, c'est exagéré. Il y a des gens qui ont des moyens pareils. Oui, il y a des gens qui ont plus de 100. Moi, je sais, puisque ça passe, je peux avoir accès. Il y a des gens qui ont plus de 100. 100 titres fonciers. Comment ils font pour avoir 100 titres fonciers? Il y a des gens qui ont 1000 hectares. Comment ils ont fait pour avoir 1000 hectares? 1000 hectares, ce n'est pas possible. Or, c'est bien que tout Camerounais ait accès à la propriété foncière. C'est tout à fait normal. Mais la loi est là pour quadriller cela. Vous voulez une immatriculation directe. Moi, je ne peux pas venir faire une immatriculation directe ici à Yaoundé. Mes parents n'ont jamais été ici. Je ne suis pas né ici. Mes parents n'ont jamais investi ici avant 1974. Je peux faire une immatriculation directe à Kribi. Mes parents, ce sont mes ascendants. J'hérite et puis... Mais... Ceux qui ont des titres fonciers à Kribi ne sont pas des natifs de Kribi. Je ne veux pas parler de Yaoundé, parce que je connais un peu ce qui se passe ici. Je ne veux pas parler de Douala, vous savez, il y a une actualité très récente là. Je ne veux pas parler, mais je parle de Kribi qui me concerne. C'est anormal ce qui s'est passé là-bas. Et si je vous demande à qui la faute et comment est-ce qu'on peut résorber ce problème? J'avais discuté avec quelqu'un à l'époque... un sous-préfet, je dis, mais c'est pas normal. Mais il dit, non, on fait ça partout. Je dis, mais l'usage ne crée pas le droit. C'est pas parce qu'on fait. Il faut faire respecter. Il faut, mais malheureusement, il y a la complicité peut-être naïve. La complicité fébrile de nos chefs de villages qui sont membres de droit de ces commissions consultatives. Commission, on dit, bon, ben, accepté, il était là avant 1974, bon, immatriculation directe. C'est pour cela que ces titres fonciers sont attaquables. Attaquables. Qui a le droit de les attaquer? Un collectif. Un collectif de villageois. Un collectif de chefs. J'en ai parlé au chef de chez moi, au chef de des collectivités de chez moi. Je dis, mais et essayez de vous asseoir, trouver des avocats pour faire annuler ces titres fonciers. Il faut faire annuler ces titres fonciers. Et en les annulant, vous ouvrez la voie aux villageois parce qu'il y aura un problème demain. Nous, on a tout vendu, on n'a plus d'espace. Comment on fait? Et on voit des gens qui ne sont pas du coin, qui sont partout. Ben, on se sent à l'étroit, ça crée des tensions sociales pour dire, mais remettez-nous ce qu'on vous a donné, puisque nous ne pouvons plus investir, nous n'avons même plus là où nous pouvons mettre du manioc. À terme, cela créera des problèmes. Donc, je dis, il y a un collectif d'avocats
pour attaquer ces titres fonciers, parce qu'on les connaît. Tu t'appelles X, personne n'est ton grand-père ou ta grand-mère ici, avant 1974. Tu es un fonctionnaire, tu as été affecté ici en 80. Comment tu peux avoir été ici? Et puis, une des bêtises là-dedans, c'est que quelqu'un est né en 60, ils sont pleins. Et puis, ou 59, ou 58. Et puis, à cet âge-là, il a des immatriculations directes dans tout le département. C'est anormal. Je vous propose à présent qu'on s'intéresse à la décentralisation, monsieur le maire, si vous en avez convenance. Déjà, la première question est de savoir si, à votre avis, le taux d'avancement de l'implémentation de la décentralisation au Cameroun, pour vous, elle est acceptable. Il est acceptable. Le taux d'avancement, comment? Non, la décentralisation au Cameroun a connu une avancée très importante par la loi du 24 décembre 2019 du Code général de la décentralisation. Voilà la Bible. Voilà la Bible qu'il faut respecter. Ouais. C'est vrai que cette loi, avec celle de 2004, qui était déjà là, vient compléter celle qui était déjà en 2004, celle qu'on appliquait déjà en 2004. Mais elle est plus forte en 2019 parce que c'est un code général de la décentralisation dans lequel on met les régions, et les communes. Et ça doit être pour nous ici la boussole. Si nous appliquons ce code, notre pays connaîtra des lendemains meilleurs. Parce que ce qui est important dans ce code, c'est le pourcentage donné à la décentralisation. Nous, on se battait depuis 2007 pour avoir au moins 10%. 10%, ça représentait à l'époque peut-être 1 milliard pour les 360 communes et 14 communautés urbaines. On est monté à 15%. 15% des recettes du budget de l'État. Quel que soit ce qu'il monte, qu'il descende, parce que la loi le dit, ça ne peut pas être en deçà des 15%. Si on met ça en application, les choses vont changer. Mais malheureusement, vous voyez, le chef de l'État montre la lune, les gens regardent le doigt. Mais c'est à dessein, parce qu'il y a des gens dans ce pays qui sont formatés pour le centralisme. Vous avouez qu'il y a beaucoup de personnes à notre administration qui ne voudraient pas lâcher du lest et laisser implémenter la décentralisation. Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Ils peuvent le dire, mais dans leurs actes, c'est le blocage. Et la meilleure trouvaille, c'est de chercher à montrer que les maires sont des gens incapables. Justement, c'est ce que j'allais dire. On avertit, on dit que les maires n'ont pas l'aptitude à pouvoir prendre en charge cette décentralisation et qu'il faille les préparer. Vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de penser? Mais c'est une pensée erronée. C'est une pensée jacobine très forte. Vous ne pouvez pas, les maires... Est-ce qu'il y a une école de maire? Il n'y a pas une école de maire. Mais vous avez beaucoup de maires nommés également au sein du RDPC qui n'ont pas toujours votre niveau intellectuel, monsieur. Le niveau intellectuel. Vous êtes quand même d'accord sur le principe? Le principe. Vous parlez du principe qu'il y a des gens qui veulent bloquer. Oui. Oui, il y a. Déjà dans la rédaction même de ce texte-là. La rédaction du texte. On soumet certaines actions du maire. Heureusement que certaines sont aujourd'hui a posteriori. Vous prenez un acte, si le représentant de l'État n'est pas d'accord, au lieu de vous bloquer, il peut saisir le tribunal administratif. Heureusement. Mais il y a plein là-dedans, je ne veux pas aller dans les détails, mais il y a plein, vous sentez qu'il y a des blocages. Ce qu'on oublie et ce qui est important pour la loi de 2019, c'est que le maire prête serment comme maire. Avant cette loi, on prêtait serment comme officier d'état civil. Mais aujourd'hui, on prête serment comme maire, avec toute la force d'une présomption de vérité. Mais
vous allez voir des gens traîner les maires dans les tribunaux, vous allez voir des gens prendre des actes demandant aux maires de faire tel ou tel ou tel. Non. Je pense que des maires sont des personnalités. Oui. Des personnalités. Et la cuvée des maires, depuis 2007, dans la majorité des cas, c'est des gens avec une vision. La preuve, c'est des gens avec une vision et qui ont envie. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque? Pour que tous ces maires qui ont le bagage, comme vous le dites, ne puissent pas nous faire avoir des villes agréables, vivables, propres. Non, des villes vivables, agréables et propres, c'est les maires qui devraient faire cela, mais ça a un coût. Ça a un coût. Et ça se fait à plusieurs niveaux. Déjà, il faut sensibiliser. Vous savez, nous, les Camerounais, qui m'excusent, hein, nous sommes essentiellement contestataires. Mmh. Nous ne voulons pas... Non, ça, c'est pas bon. Non. Et puis, nous aimons faire des choses hors la loi. Mmh. Hors la loi. Ce qui ouvre la voie à beaucoup de choses. Vous avez parlé de la corruption. Mmh. Elle est là. Pour changer cela, le code général de la décentralisation a tout mis en place. Les maires ont le devoir, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, d'impacter, de changer les choses. Mais il faut les 15%. Bien sûr, je me suis laissé dire, c'est un processus. Mais si nous étions un peu plus sérieux, il faut implémenter cette application-là, la loi de 2019. Il faut immédiatement dire que nous mettons en place les 15%. Et on ne serait plus à faire des saupoudrages à gauche, à droite, à aller vers tel ou tel. Et ça dépendra parce que je m'aventure peut-être dans un terrain assez glissant, mais je dis... 15% d'un budget de 6 000 milliards, ça représente près de 900 milliards. Mmh. Ce n'est pas de l'argent frais qu'on met dans les comptes des mairies. Vous avez une recette sûre et vous pouvez donc mettre sur pied votre budget programme. Mmh. Parce que avec 900 milliards pour les communautés, pour les collectivités territoriales décentralisées, régions et communes, si vous faites une espèce de ratio là-dedans, c'est presque à plus d'un milliard et demi, ou même 2 milliards par collectivité. Que ne peut-on faire avec ça sur 5 ans? En planifiant avec les conseillers, en planifiant avec les populations, parce qu'il y a aujourd'hui le concept de développement participatif. Mais ça ne peut pas se faire sans moyens. Vous voyez, en Afrique du Sud, ils sont à 43% de la décentralisation. En Europe, c'est dans les 50%. Mm. C'est pour cela, parce que quand vous voyez ce que les communes réalisent hors de chez nous, c'est assez extraordinaire. Au Kenya, ici, ils avaient été à 15%, aujourd'hui, ils sont à 30%. À 30%. C'est extraordinaire. Et c'est ce que nous voulons. Mais, vous avez dit une chose là tout à l'heure, on dit que les maires n'ont pas cette capacité. Oui. Capacité. C'est la raison qui a avancé. Lorsqu'on demande pourquoi on vous lâche pas, pourquoi on ne vous laisse pas les coudées franches pour gérer cet argent, pour la majorité... C'est puéril. On ne gère pas des l'espèce On met ça dans le cadre du budget d'investissement public. Chaque maire sait, parce que il y a deux ministères hein, qui font ça. Mm. Les travaux publics qui donnent 27 millions pour l'entretien routier aux communes. Et puis le ministre de la décentralisation qui octroie 100 millions à chaque commune. Mm. Et 285 millions aux communautés urbaines. Vous voyez donc qu'avec ça, vous pouvez planifier. Mais imaginons qu'on n'en soit plus à des bribes à gauche et à droite et qu'on fasse une espèce de ratio, une espèce de péréquation sur les 900 millions, de 900 milliards avec les collectivités. Il y en a 360
14 communautés urbaines, ça fait 374, plus les 10 régions. Imaginez, avec une plus grande partie pour les régions, chaque commune ici s'en sortirait avec quelque chose et puis s'assierait pour s'assurer que, voilà, nous voulons faire l'éclairage ici. Nous pouvons mettre tel, et c'est planifié. C'est planifié. Et je sors avec cette question. Ouais. Vous croyez, une réponse franche, ouais, qu'on aura cette décentralisation effective au Cameroun? Bien sûr, la loi est déjà là. Elle est la là loi, depuis la loi. La loi est déjà là. La loi aura bientôt 30 ans. Oui, oui. À la vitesse où ça va. Mais il y a eu une avancée assez formidable avec la loi de 2019. Mais votre réponse est en contradiction avec toutes les explications que vous venez de nous donner. 2019. Ouais. 2019. La loi de 2019. Nous mettons ça en pratique. Notre pays changera. Notre pays changera. Malgré quelques... On sait qu'il y a quelques paramètres qui interviennent à l'international. Mmh. Nous ne voulons pas aller là-dessus, mais je dis... Quels paramètres à l'international? Non, les guerres... à l'époque, nous, on utilisait la détérioration des termes de l'échange. Mmh. Vous voyez la problématique du franc CFA qui n'est pas une monnaie capable de faire développer quelque chose. Mmh. Vous voyez, lorsqu'on voit, lorsqu'on parcourt les dix pays africains qui sortent du lot, personne n'est, chaque pays a sa monnaie personne propre. Personne n'est dans le franc CFA. Personne n'est dans le franc CFA. Vous voyez, c'est autant de blocages avec des accords. Avec des accords bizarres à gauche et à droite qui nous lient. C'est autant de choses. Mais je dis, la décentralisation, c'est un processus irréversible. N'en déplaise à ceux qui pensent que non, les maires sont incapables, ça va se faire. Bon an, mal an, ça va se faire. Monsieur le maire, on va marquer un autre arrêt, on va prendre une autre pause, une autre transition. On va suivre ce reportage qui nous présente un tout petit peu la ville de Kribi. Ouais. Et puis on va revenir derrière pour échanger justement autour de la réalité de cette ville. Ouais. La transition bien sûr du Koupoukou et le reportage et on revient. Nouveau pôle économique du Cameroun, Kribi est une petite ville côtière située à la croisée de trois importantes routes nationales, la provinciale numéro 8, les nationales 7 et 17. Dotée d'une population de plus de 70 000 habitants, Kribi dispose des atouts importants au niveau économique tels que le tourisme, un port maritime bien positionné qui fait de cette ville un point maritime stratégique. C'est donc cette merveille de la nature qu'hérite Guy-Emmanuel Sabikanda en 2020 en devenant le premier magistrat municipal de la ville. Dès lors, il ne lessive sur aucun moyen pour non seulement améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, mais en développant des projets structurants pour la ville. Le cas de cet hôtel de ville, joyau architectural, en construction, image tangible de l'ambition de Monsieur le maire. Vous êtes dans le chantier de construction de l'hôtel de ville de Kribi. Comme vous pouvez le remarquer, les grosses œuvres sont pratiquement achevées et nous passons aux secondes œuvres en ce moment. Vous avez eu à visiter le chantier, l'intérieur du bâtiment ainsi que l'extérieur. Vous constatez que les travaux avancent comme il a été prévu. Et nous espérons que nous pourrons tenir les délais. Que dire de l'autoroute à 6 voies qui améliore à coup sûr le trafic et partant les entrées financières? Aussi des acquisitions rentables pour la mairie de ville à travers des accords de partenariat sont répertoriés. Humanistes, rompus à la tâche, toujours sur le terrain, Guy-Emmanuel Sabikanda reste proche des populations qui vivent ici pacifiquement, se laissant porter par la nature. Dame nature, très clémente en ces lieux, avec de belles plages de sable doré qui n'ont rien à envier à celles des mers du Sud ou des Caraïbes. Les chutes magnifiques de la Lobée, l'exotisme alimentaire, quelques éléments
qui font de cette ville balnéaire au sud du Cameroun l'un des plus beaux endroits où il fait beau vivre sur le triangle national. Bienvenue dans la ville de Kribi. Voilà, nous avons eu le bonheur de faire un petit tour dans la cité balnéaire camerounaise. Toucher du doigt cette réalité, il fait beau vivre à Kribi. On a envie de déménager pour s'y installer. Ça a été un très beau séjour également. Et là, on va s'intéresser au quotidien de ces populations-là que nous avons eu l'occasion de rencontrer lorsque nous étions à Kribi et qui, avec quelques doléances également pour beaucoup, qui espéraient, on va sûrement parler du plan économique, des changements qu'apporte le port ou encore l'autoroute que nous avons eu en image, ou vos projets par rapport à ces infrastructures que vous mettez sur pied. Il y a des populations qui nous ont demandé de vous poser la question sur le plateau, et que qu'est-ce que vous faites, parce que vous faites déjà beaucoup, mais ils ont un souci avec on appelle l'insalubrité dans certains coins. Et ils ont besoin de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre Kribi totalement propre entre les crustacés qu'il faille ramasser et tout. Il paraît que c'est pas très évident en ce moment, surtout vers les bords de plage, d'avoir cette propreté dont on a besoin. Nous sommes accompagnés pour la propreté des plages par certaines associations, que nous soutenons d'ailleurs. L'insalubrité à Soma, à Kribi, qui était en son temps une des villes les plus propres, vient du fait que la société en charge de ça semble avoir baissé les bras ou est dépassée. Comment faire? Nous allons apporter un début de solution, parce que nous avons un début de solution. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que la communauté urbaine a pu avoir sur fond propre une niveleuse, une pelle chargeuse, un camion 20 tonnes et puis un camion multifonction. Ça veut dire que tout ce qui est abandonné comme voiture sur la chaussée, on les prend. Maintenant, nous allons donner un coup de main pour faire un ramassage et mettre ça dans la benne de 20 tonnes et puis aller mettre ça au niveau d'une décharge. J'étais au niveau d'une décharge. Mais ce n'est pas une solution. Il faut, et il y a des gens à l'international qui veulent venir s'occuper des déchets. Les déchets sont une richesse inestimable. Ils font le tri. On ne jette rien. On ne perd rien. Ça nous ramène à ce fameux rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les déchets, qu'est-ce qu'on ne peut faire avec? Et à l'international, moi, j'ai des gens qui veulent venir, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui les empêche de venir? On signe, venez. Il y a tellement de procédures. C'est malheureusement l'héritage que nous avons dans notre pays. Nous sommes très procéduriers, nous sommes très bureaucratiques. La différence avec les pays d'Asie, il y a quelqu'un qui l'a dit là-bas, là où règne la bureaucratie, le développement ne peut pas venir comme ça. Les pays avec lesquels on est en comparaison sont aujourd'hui très très loin. À cause des virgules qu'il faut voir, à cause des procédures qui entraînent certains dérapages. Donc, nous apporterons une solution par rapport à ça, par rapport aux ordures. Mais il y a un problème sérieux qui regarde toute la côte ouest africaine. C'est l'érosion. Le problème n'est pas à la dimension d'une seule commune ou d'une communauté. Ça doit participer ici d'une volonté forte de l'action gouvernementale. Il faut gagner de l'espace dans la mer pour protéger la côte. En gagnant de l'espace dans la mer, nous aurons eu un espace ludique pour les enfants et puis les adultes, avec des activités tout autour, et on protégera la côte.
Qu'est-ce qu'il faut pour matérialiser ce rêve? Bon, je suis allé au Pays-Bas, j'ai vu des gens. Vous savez que ils sont experts dans ce domaine-là. Ils sont experts. Les gens, dans une facilité, ils ont dit, il faut acheter une suceuse de sable et puis on pompe. Je dis non, ça c'est pas. Il y a une technicité par rapport à ça. Et c'est un problème sérieux. Et quand vous avez eu, sûrement, vous avez eu ce reportage ici, au mois d'août, de l'eau qui a envahi, qui a cassé à gauche et à droite. Mais c'est parce que les plages que nous voyons à l'international ne sont pas des plages naturelles, c'est des plages artificielles. On nous jette l'anathème, on nous dit oui, mais vous laissez les gens creuser le sable. Je dis, mais dans mon enfance, les gens étaient loin de construire avec le sable marin au nom de l'iode qui y est et qui entraîne l'oxydation rapidement de votre ferraille. La raison pour laquelle la plupart des aventuriers qui construisent comme ça à Kribi, lorsque vous voyez leur bâtisse, il y a des fissures. Il y a des fissures. À terme, c'est des choses qui vont tomber. Mais malheureusement, il y a un arrêté qui date de, je ne sais pas, un des maires, Georges Laurent, qui avait pris un arrêté interdisant l'exploitation du sable. Mais les gens vous disent, et on ne peut pas mettre, vous savez, la plage, on ne peut pas mettre à chaque bout, je ne sais pas, un soldat ou des balises pour surveiller. Mais on doit être accompagné ici par les forces de maintien de l'ordre, qui ne devraient plus laisser passer un seul camion transportant du sable marin. Ça, c'est une des solutions fortes par rapport à ça. Mais je dis et je maintiens que la plage doit être protégée. Pour la protéger, il faut aller à l'intérieur. Ça se fait. Il y a une technologie pour ça. Il y a des expertises pour ça. Kribi est dans la vision du gouvernement camerounais comme le nouveau pôle économique. D'ailleurs, on le dit dans le titre. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau où on est aujourd'hui, Kribi joue son rôle? On a eu l'occasion d'observer le port qui semble ne pas fonctionner totalement. On a aimé regarder l'autoroute qui est magnifique, mais qui n'arrive pas à destination totalement, qui n'est pas totalement terminée. Vous avez l'impression que vos ambitions à ce niveau-là se matérialisent? Kribi a une vocation de ville industrielle. À terme, qu'on le veuille ou non. Kribi a une vocation de ville touristique. C'est pour ça que je me réjouis du fait qu'on l'ait divisé en deux. Du côté du port, dans la zone portuaire, avec les 15 000 hectares qu'on vient d'allouer au port et les entreprises qui s'y installent, il y en a plus de 40 en ce moment, tout autour. Zone industrielle. Puis de l'autre côté, zone touristique. Voilà les deux vocations de Kribi. Mais c'est en train de prendre, parce que le port, grâce au port, la communauté urbaine a pu atteindre aujourd'hui une vitesse de croisière, malgré certains blocages. Ici, le port, grâce au port, Kribi est devenu le deuxième contributeur au niveau des recettes douanières, au niveau national. Ça veut dire qu'il y a une activité très forte. En ce moment, on est en train de construire la deuxième phase. Je me réjouis de ça parce que les gens vont dire pourquoi est-ce qu'elle parle du port. Je dis je parle du port. Le port est dans la ville de Kribi, c'est pas Kribi qui est dans la ville, qui est dans, qui est dans le port. Et je m'en réjouis. La deuxième phase est en train d'être faite. Et il vous souvient du discours du 31 décembre du chef de l'État, où Kribi a été cité pas moins de 6 fois. Et c'est en train de prendre corps avec les mines. Les mines sont un levier puissant. Un levier puissant pour le développement d'un pays. Les mines. Le fer qui sera exploité vers Bipindi. Le fer de l'Olabé. Enfin, on appelle ça l'Obé, mais les gens se disputent. C'est en train de se mettre en place. Et on ne peut pas penser au port sans penser à un aéroport. Bon. Je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, j'ai reçu des gens qui voulaient nous faire un aéroport ici. C'est aller dans un... Mais nous attendons le chemin de fer. C'est ça qui fera marche. Parce que Kribi, sa vocation n'est pas seulement nationale. Kribi a une vocation internationale. Kribi a une vocation sous-régionale même.
pourquoi pas? Parce que le Tchad, le Niger, la République centrafricaine et même le Congo viennent ici à Kribi, viennent déverser, viennent prendre les marchandises et autres. Mais la contrepartie, c'est ça qui est un peu... Parce que les conteneurs peuvent partir étant vides. Bon, ça, c'est un autre débat. À côté de ça, la vocation touristique de Kribi. Vous voyez ces belles plages et autres, là, si on les protège. Mais là, je suis en train de me battre à l'international pour que des gens viennent me mettre un complexe avec hôtel, hôpital de référence, espace de loisirs. Où ? Il y a de l'espace. Et vous venez de dire qu'on a tout acheté ? Non, l'État a mis en place, on a sécurisé 26 000 hectares et on peut annuler les titres. On peut annuler les titres fonciers. Mais l'État a eu 26 000 hectares là-bas. 15 000 déjà au port, il en reste 11 000. Avec les différentes adductions et autres, là, peut-être dans les 6 ou 7 000. Ça doit revenir automatiquement, ça devait revenir automatiquement à la communauté urbaine parce qu'elle a la responsabilité de construire la ville nouvelle. Mais il y a des espaces qu'on pourrait négocier avec ces tenanciers de titres. Ils ont acheté ces machins, ils les ont acquis à prix pour des francs symboliques. Des francs symboliques. Et on peut négocier avec eux puisqu'ils ont acheté ça pour la spéculation. Pour qu'on installe des complexes tout autour, en aménageant des quais. Je souhaite que, je veux, parce que c'est faisable, des gens qui viennent à Kribi veulent aller se promener au large, qu'il y ait des bâtiments solides, des bateaux solides qui les amènent là-bas, dans la sécurité des... Oui, je dois reconnaître que cet exercice a été un peu périlleux pour moi. Sécurité, pas dans des barques de fortune. Ouais, hein, justement, voilà, c'est sûr. Quelque chose de sérieux. Je souhaite que des gens puissent faire le tour. Je dis, moi, je n'ai plus envie d'aller à Douala par route ou par air. Bon, c'est fini. Par air, c'était il y a longtemps. Je prends par bateau. Je m'en vais à Douala, je m'en vais à Limbé, je m'en vais à Kampo, je peux aller à Bata, je peux aller même au-delà, à Malabo. Pourquoi pas prolonger à Sao Tomé, qui est là à côté. Pourquoi pas? Ça manque. Or, il y a des gens qui peuvent, je le dis, j'en ai rencontré. J'ai eu d'ailleurs un message aujourd'hui venant des Pays-Bas, un Camerounais qui est venu, il dit, moi, je vais te chercher des moyens à l'international pour qu'on vienne te poser cela ici. Kribi devra avoir un hôpital de référence parce qu'il y a des gens qui viennent suivre leurs activités. Est-ce que vous savez qu'on monte des projets, on monte des engins de travaux publics à Kribi? Non. De tout genre. Je vous le dis. Avant la fin de cette année, on va inaugurer une cimenterie à Kribi, Simport, qui même déjà est en activité, Simport. L'autoroute, vous l'avez vu, ce n'est pas des fantasmes. Elle existe bel et bien, mais ici, il faut croiser les doigts pour qu'on la relie à l'autoroute. Justement, c'est ce que j'allais dire. À cet état, à celle de Douala-Yaoundé, qu'on relie cela. Je pense qu'on peut trouver des financements pour ça, pour relier cette autoroute, parce que ça nous fera du bien. La piste qu'on utilise en ce moment, elle est dépassée. Elle a été conçue pour un certain type de voiture, pour une certaine période, mais maintenant, on a près de 400 000 camions par an à Kribi, avec des conteneurs surchargés. Ça ne fera que détériorer cette route. Vous y étiez, vous voyez les trous, on ne les protège pas assez vite, il pleut, ça rentre, ça rentre. Lorsqu'on couvre ici, l'eau est déjà, et puis de l'autre côté, les trous se créent. Non, il faut refaire complètement cette route, c'est une des solutions. Donc voilà les solutions, Kribi devrait être un pôle touristique. Je vois, pourquoi ne pas apporter des manèges? C'est vrai que ça procède de caractère. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur pour transformer Kribi en ce lieu de rêve que vous êtes en train d'écrire? Ce qui me manque, c'est je ne sais pas si je peux appeler ça l'allègement des contraintes. L'allègement des contraintes bureaucratiques. C'est ça.
parce que j'ai reçu des gens qui sont venus me parler d'un aéroport. Il dit, on va vous mettre en place un aéroport. Un aéroport de fret, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des passagers. J'ai fait venir la dame qui est directeur général de l'aéronautique civile, me semble-t-il. Et on a peaufiné une action. Nous avons travaillé ensemble pour qu'on ait quelque chose. Mais c'est arrivé, on m'a dit que ce n'était pas de ma compétence. Mais je m'en fous de ma compétence. L'essentiel est d'avoir un aéroport à Crémy. J'ai reçu des gens qui sont venus me dire qu'on va mettre un hôpital européen. Ne regardez pas le terme européen. Je dis européen, ça veut dire aux normes. Non, bien sûr. Aux normes européennes. Mais ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'hôpital. Ça ne s'arrête pas au niveau de l'hôpital. Mmh. C'est un complexe hôtelier et tout ce qu'il faut pour une cité autour. Le dossier est venu à Yaoundé, d'une administration à une autre, puis à une troisième. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'il manquait quelque chose dans votre dossier. Je dis, venez nous dire ce qui manque à Crémy. La personne n'est jamais venue. Après, on m'a appelé au ministère de la Santé pour me dire, mais parlez-nous de Medicus. Je dis, oui, c'est un hôpital, c'est un complexe. C'est là que j'apprends qu'il y a des Espagnols qui ont le même projet. On me dit, mais ils vous ont vu. Je dis, je ne les connais pas. Moi, je me suis donc dit que c'était de l'époque du délégué de gouvernement. Non. Mes collaborateurs disent qu'ils n'ont jamais vu ça. D'où vient ce projet-là qui semble être un doublon? Non, je dis, il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans ce pays. Ce pays peut se bâtir. Ce pays peut se bâtir par le PPP, partenariat public-privé. Mmh. Ce pays peut se bâtir par BOT. Là, peut-être je vais dévoiler quelque chose, parce qu'il y a un opérateur économique, ivoiro-marocain, qui vient me faire un nouveau marché à Crémy. Un nouveau marché, dit qu'il commence ses travaux en janvier. Je l'ai reçu ce soir dans mon hôtel. Il était parti, il a tout peaufiné, il me dit qu'il est prêt. Un marché moderne. Vraiment, je croise les doigts, mais je pense que ça va aller parce que il est parti pendant au moins 2 mois, je n'ai plus, et puis ça, je me suis découragé. Puis hier soir, je reçois un coup de fil, on me dit même, il est là, M. Koulibaly, un Ivoirien, avec une société marocaine, qui vient me faire quelque chose de bien à Crémy. C'est déjà un grand pas par rapport, et ça se fait sur BOT. On s'en fout du délai, qu'ils exploitent ça pendant 1000 ans. L'État n'aura pas dépensé en rond. On aura l'infrastructure. Après 1000 ans, qui nous reviendra? Et moi, dans ma vision, telle que je nous connais ici, s'ils ont bien exploité, pourquoi ne pas leur donner maintenant la même structure pour qu'ils exploitent ça au compte de la communauté urbaine? C'est comme ça que la plupart des pays se sont construits. Ça, c'est comme ça. L'autoroute, pourquoi se casser la tête? Prenons des gens, mettez des moyens. Prélevez de ce que vous voulez au péage. On vous donne ça pour je ne sais pas quand. Il y a des gens avec de par le monde qui peuvent faire ça. Mais vraiment, peut-être demain, on va. Mais je m'en fous. Je parle ici pour mon pays parce que ce qui se passe là n'est pas bien. Et ce n'est pas au service du chef de l'État. On va se détendre un peu, monsieur le maire. Oui. On va se détendre un peu, en principe, généralement. Cette petite détente, vous la faites avec Olivia Boussal, qui est un peu indisponible ce soir. Donc, je vais m'essayer à Dieu cet merci. Exercice. Après la transition de compte à rebours, on va jouer à ce petit jeu, si vous voulez bien. Voilà en quoi consiste le compte à rebours, monsieur le maire. C'est un jeu de questions-réponses. On a un tempo un peu accéléré. On ne prend pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc, on voudrait la spontanéité. Voilà. On voudrait voir monsieur le maire se lâcher. Et ce qui est intéressant, c'est que les questions n'ont rien à voir avec la politique, rien à voir. On va essayer de découvrir monsieur le maire sous un autre visage. Et bien sûr, c'est vrai, vous avez un joker. Vous pouvez accepter de passer une question, mais pas plus d'une question.
C'est ça le principe. Et on le fait en rythme, sous le rythme du chrono. Vous avez la responsabilité de battre le chrono. Si vous réussissez à répondre à toutes mes questions avant la fin du chrono, vous avez battu le chrono. Combien de minutes? C'est 5 minutes. Ah. Maintenant, si le chrono finit sans qu'on ait vu le bout de tunnel, vous et moi sur ce plateau, évidemment, dommage, vous avez perdu. Ben, je souhaite toujours voir les invités gagner, dont je vous fais confiance. Je suis votre premier supporter. On est d'accord? On est d'accord. On peut y aller? Allons-y. D'accord. Alors, on va demander le chrono tout de suite pour échanger un tout petit peu. On va fouiller. C'est parti. Alors, quelle est votre plus grande réussite, monsieur le maire? C'est l'hôtel de ville, c'est les engins, c'est les pavés que j'ai mis, c'est les lumières que je vais commencer, que je vais continuer à mettre, les lampadaires solaires. Et pour quel aspect de votre vie ressentez-vous la plus grande gratitude? Ma vie familiale. Ma vie familiale, ma vie sociale. Quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps et que vous n'avez pas encore fait? Non, je n'ai pas de rêve. Il faut, vous savez, l'homme, c'est vrai qu'il a la mesure de toutes choses. C'est vrai que l'homme n'a des problèmes qui n'a que des problèmes qu'il peut résoudre. Mais je n'ai pas de rêve que je n'arrive pas à réaliser. Mon rêve le plus fort aujourd'hui, le plus fou, c'est de voir ma ville décoller, c'est de voir ma ville avec une mobilité urbaine, c'est de voir ma ville fluide, c'est de voir ma ville avec des taxis. Là, j'en ai fait venir quelques-uns. Oui. C'est ça. Quelle est la plus belle ville que vous ayez visitée dans votre vie? Sans coup férir, c'est Barcelone. Votre meilleur souvenir? Ouh, il y en a tellement. Tellement. On va essayer d'en trouver. Il y a tellement de meilleurs souvenirs. Je me rappelle d'un bon souvenir qui nous réconcilie avec les autres. C'était en matière de football, lorsque nous gagnons en Égypte grâce à un certain Roger Mila. Et le pire souvenir? La perte des parents. Quand j'ai perdu mon père, il y a une trentaine d'années, c'est les pires souvenirs. Avez-vous déjà été trahi? Un homme politique est trahi chaque jour, à chaque minute. Quelle place occupe l'amour dans votre vie? S'il n'y a pas d'amour dans la vie d'un être humain, il n'est pas permis qu'il existe. L'amour des choses, l'amour des êtres, l'amour des personnes, c'est tout. C'est dans l'amour qu'on trouve la force de pouvoir faire des choses extraordinaires. Êtes-vous proche de votre famille? Très proche. Très, très proche. Et même au-delà de la famille. Alors, quelle musique peut faire danser, monsieur le maire? Il y a beaucoup de musique. On va essayer d'en trouver. Vous avez un joker, hein? Vous pouvez traverser. Le slow. De quelle? Quelle chanson? Nous, on veut. Ah, vous celle voulez qui la vous fait fredonner, oui, qui vous fait chanter. Il y a une chanson là d'une dame, ce qui me vient tout de suite là. We don't need another hero de Tina Turner, de regretter mémoire. Et vous arrivez de chanter tout seul? Oui, fredonner. Parce que ça fait partie de l'expression. Vous savez, la musique, la chanson, c'est la respiration de l'âme. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez fait? Pas plus longtemps qu'il y a à l'instant. À l'instant, vous venez de le faire. Votre plat culinaire préféré? Les mets camerounais, lequel? Un bon plat de crevettes. Un bon plat de crevettes. Vous arrivez-vous de cuisiner? Non. On va un peu corser ça. Monsieur le maire, homme à femme ou l'homme d'une seule femme? Je ne saurais répondre à une question comme celle-là. Vous avez un joker, monsieur le maire, profitez-en. Vous demandez votre joker? Le joker, oui. Ah, d'accord. Monsieur le maire, vous êtes câlin ou vous êtes plutôt... Câlin. Câlin. Très? Très. Très câlin. Très. Lingerie sexy ou conventionnelle? Sexy. Une femme vous a déjà fait la cour? Plus d'une fois. Bah, on a terminé. On est à moins 50 du chrono. Bravo, monsieur le maire. Vous avez battu le chrono, vous avez suivi le rythme. J'ai eu peur à un moment donné. Les femmes qui font la cour, ça c'est bien. Ça montre. Ça vous plaît? Ça, c'est.
ça montre leur liberté d'esprit. Vous n'êtes pas de la vieille école qui dit que les femmes n'ont pas le droit de faire la cour aux hommes. C'est dépassé. C'est dépassé. Allez, on se prend une plage publicitaire et on revient pour prendre la ligne droite de ce programme. Allez, on s'achemine vers la fin de cette émission. Monsieur le maire, le dernier exercice auquel tous les invités se soumettent, c'est quelques visages, quelques noms qui impactent ou ont impacté votre vie. Et bien sûr, on va faire défiler les photos et vous allez dire ce que vous en pensez. On va commencer ce soir avec Jacques Chirac. Ah, ça c'est un vrai lion. Lion de la politique, je me reconnais dans son école. Parle avec beaucoup de conviction, c'est le dernier grand, hein, parmi les autres, bon. Donc, de tous les politiciens du monde, pour vous, c'est Jacques Chirac. Je vois Jacques Chirac. Comme personnalité politique. Je vois, plus proche de nous aujourd'hui, à part s'il est encore au pouvoir, à l'étranger, hein, je parle de Poutine. Comme personnalité politique. Si on vient à l'intérieur, on peut venir à l'intérieur du pays. Bien entendu, quittant déjà Jacques Chirac, ça peut vous inspirer quelqu'un. Moi, je vois le président Biya qui n'est peut-être pas comme Jacques Chirac parce qu'il est moins expansif, mais comme animal politique, le président Biya en est un. Aussi. En est un. Il faut s'en inspirer. Tchèque Hamidou Khan, ça c'est un de mes maîtres là. Et nous sommes aujourd'hui dans cette mouvance là. Je ne suis plus un pays de dialogue distinct face à un océan distinct, appréciant d'une telle fois ce que je puis lui prendre ou ce que je puis lui laisser. Je suis devenu les deux. Il n'y a pas de tête lucide entre les deux termes d'un choix, mais une nature étrange de n'être pas deux. Et là, il fait parler une dame, là, la grande royale. L'école où nous envoyons nos enfants tuera en ce que nous avons de plus cher, mais acceptons de mourir dans nos enfants. Et nous avons les conséquences de ça aujourd'hui. Les philosophes, toutes les diplômés, parce que moi je ne veux pas les intellectuels, c'est autre chose. Tous les diplômés sont les diplômés de l'Occident. Nous, on a fait l'école pour parler, ça, c'est comme ça. Ça m'engage, c'est ma façon de voir. Mais ça, c'est un grand qui avait déjà fait ça avec son ouvrage « L'aventure ambiguë ». Amadou Ampateba. Le peuple, le tout, ça c'est quelqu'un que j'aime. Je suis en train de terminer une de ses œuvres-là, un conte initiatique. J'avais lu Wang Green, les aventures, Amkoulel, ça c'est... C'est terrible. Un conteur hors pair, et avec un humour assez... Ça c'est. Lorsque vous parcourez Ampateba, vous entrez dans l'histoire de notre continent et vous sentez que l'essentiel de notre enseignement, sans être rationnel, 1 plus 1 égale 2, réside dans nos contes. Et si nous prenons ces comptes-là pour mettre en pratique, c'est la philosophie de la vie. Parce qu'en chacun de nous, il y a ce qui est mauvais et ce qui est bon. Mais il y a des gens qui choisissent un camp. Vraiment, ils sont mauvais. Vous avez fait tout ce que vous voulez, ils restent dans ce camp-là. Des mauvais. Mais il y a aussi ceux qui sont bons. Faites-leur du mal, trahissez-les, mais ils restent bons. Je crois. Malheureusement, c'est la minorité. Malheureusement. On va faire parler quelques téléspectateurs qui ont envie de vous dire un mot ce soir, avant de prendre votre dernière réaction. Bonsoir à vous. Nous voulons des maires comme vous dans toutes les villes du pays. Merci. Et j'aime tellement votre façon de penser au développement. C'est M. Foucam depuis Douala. Et il me supplie, s'il vous plaît, passez mon message à M. le maire. M. Foucam, votre message est passé. Voilà. C'est vrai que parfois, je n'ai pas l'occasion de lire... ces messages-là. Hello, Sister Rosalie. Bonsoir. Dites à Monsieur le maire que si tous les maires réfléchissaient comme lui, on aurait des villes un peu plus propres. Est-ce qu'il peut parler au maire de Yaoundé? Vous pouvez parler au maire de Yaoundé? Non? On va en parler demain. Bonsoir à vous en studio et un profond respect pour le maire. C'est un architecte dans l'âme. S'il vous plaît, dites-lui que j'aimerais joindre son équipe
comme agent, avant déjà essayé, ayant déjà essayé plusieurs fois, mais en vain. Que faire? C'est Mathilde puis Diderot. Depuis? Diderot. Diderot. Mmh. Bon. Bonsoir Rosalie. Le maire nous dit que le libéralisme communautaire est un chef-d'œuvre dans sa conception. J'en conviens. Sauf que quand tu lui poses la question de son implémentation, là, sa réponse n'est pas claire. Et c'est justement là où le bât blesse. Une analyse secteur par secteur fait apparaître un bilan catastrophique. Rosalie, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Je mets le maire au défi de me donner un seul secteur qui est ouvert. C'est très sévère ça. C'est très sévère. Mais donnez-lui un seul secteur qui est ouvert. L'activité industrielle, l'activité portuaire fonctionne, que ce soit au PAD, que ce soit au PAC à Kribi, ça fonctionne. Nous ne sommes pas encore en rupture de paiement des salaires pour que ce soit rouge, 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 rouge. Nous avons un nouveau code minier qui est en train de faire. J'ai reçu un opérateur économique là sur la mine. Je ne veux pas le citer ici, mais c'est en train de prendre. Il faut un peu de patience, il faut un peu de patience, un peu de volonté, un peu de détermination et puis un peu d'envie de faire mieux pour accompagner le chef de l'État. Je dis ici, qui montre la lune, il beaucoup regarde le doigt. Et surtout que c'est des personnes qui roulent pour leurs propres intérêts. Bonsoir à vous en studio, je m'appelle Albert et j'habite à Kribi. C'est bien quand le maire parle de cette affaire de terrain, mais il y a vraiment un sérieux problème à Kribi et du désordre urbain. Qu'est-ce que le maire compte vraiment faire pour ça? On n'arrive plus à circuler parce que les commerçants et les mototaximans se disputent de trottoirs et on en est où avec les feux de signalisation? Voilà. Les feux de signalisation, quelqu'un est venu, un opérateur économique, il est porté disparu. Je pense on résilie, puis on relance cela, ça viendra. Pour les commerçants qui sont au niveau du trottoir, là, vous savez, nous sommes des adeptes de... C'est des gens qui ont les comptoirs à l'intérieur, mais qui viennent envahir la chaussée. Maintenant que j'ai des instruments de cela, qu'ils fassent très très attention. Je dis à mon fils qui a écrit ça, que les commerçants, vraiment, qu'ils fassent très attention, parce que un engin lourd qui vient va racler tout ce qu'il y a là sur le trottoir. Et ça, ça va se faire peut-être chaque jour, avec l'appui. Et je remercie ici le commissaire central, qui nous a donné un bon coup de main là, pendant un bon bout de temps. Un autre habitant de Kribi, ils sont très nombreux connectés ce soir. Bonsoir, je suis un jeune de Kribi et je souhaite présenter quelques lueurs d'ombre à soulever l'intention de notre premier magistrat, s'il peut faire quelque chose. Ce sera fait en deux points. Sa première préoccupation, monsieur le maire, est qu'il veut comprendre comment Bipaga produit du butane, mais le gaz coûte plus cher à Kribi par rapport à d'autres villes du pays. À Kribi, c'est 7 500, ailleurs c'est 6 500. Est-ce que c'est du ressort du maire de la ville que je suis? C'est vrai qu'il y a une usine de transformation au large, mais la maîtrise des prix, vraiment, ça nous fait mal, hein, mais bon, ce n'est pas de notre... Ce n'est pas de votre ressort. De notre ressort. Sa deuxième préoccupation, lorsque vous parlez de la ville intelligente que vous souhaitez implémenter à Kribi, songez-vous faire chemin avec Amtel? Si oui, comment expliquer que cette entreprise ne parvienne pas à distribuer le réseau, même seulement 3 gigas dans un rayon de 10 km du centre-ville, sachant que la fibre optique brésilienne entre au Cameroun par Ngoye à Kribi. Non, grâce à... On sent vraiment qu'il est habitant de Kribi. Oui, 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 grâce à Clappers, hein, la ville intelligente est en train de se mettre en place. Mmh. Il y a eu une enquête, je me suis laissé dire qu'il y avait même 700 entreprises qui sont venues dans le registre qu'on est en train de faire. Et on va mettre, si quelqu'un veut n'importe quel renseignement, à Kribi, il aura... Cette ville intelligente, Clappers, va faire de la lisibilité pour ces entreprises, tant sur le plan national qu'à l'international, parce que c'est extraordinaire. On est en train de peaufiner cela, c'est presque terminé. C'est presque terminé, la bâtisse est déjà en place.
Donc, vous nous promettez que ça va aller. Non, c'est en train d'aller. Ça, on va prendre un tout dernier. Ils sont très nombreux, mais on pourra malheureusement pas prendre tout le monde. Bonsoir, madame, et bonsoir particulier à monsieur Guy-Emmanuel Sabikanda, le grand bâtisseur de la ville de Kribi. Vous êtes un homme de valeur. Puisse Dieu vous protéger et vous accorder une longue vie. C'est monsieur Olama qui nous écrit ce soir. C'est plus des encouragements qu'une question. Hein, apparemment. Non, mais merci. Il n'y a pas de détracteurs, je veux des détracteurs aussi. Ben, c'est ce que j'essaie de trouver, monsieur le maire. Moi aussi, ouais. J'aimerais bien avoir quelques détracteurs. Bonsoir, madame Rosalie. À vrai dire, le bilan de monsieur Guy-Emmanuel Sabikanda jusqu'à ce jour est largement satisfaisant. Signé Quentin Mabvouri depuis Kribi. Vous êtes aimé apparemment. Bonsoir Rosalie, belle émission. Bonsoir monsieur le maire. En ce qui concerne le désordre urbain à Kribi, gouverner, c'est anticipé. Il faudrait que le maire pense à implémenter la création d'une ville nouvelle pour éviter de subir les mêmes frasques que subissent Yaoundé et Douala parlant du désordre urbain. Quant à la décentralisation, monsieur le maire, n'ayez pas peur de dire que c'est votre pouvoir central des gouvernants RDPC qui empêche la décentralisation effective du transfert des fonds au maire. C'est fait à dessein pour empêcher les maires d'avoir beaucoup de pouvoir financier. Beaucoup de courage pour le travail abattu à Kribi. Vivement que beaucoup de maires d'autres localités copient votre exemple. C'est Jean-Louis depuis Simbok. Merci. Vous convenez que ce sont vos amis du RDPC qui bloquent tout? Non, enfin... Vous ne voulez pas le dire? Non, je ne peux pas le dire. Nos amis du RDPC... Le RDPC n'est pas dans l'administration. Nous comptons... Non. Oui. Vous y croyez vous-même? Oui, nous sommes sur le plan politique. Maintenant, ceux qui gèrent, bon... Bonsoir à vous. Les causes du désordre urbain, c'est l'absence des réseaux urbains efficients et se heurte au problème de chômage des jeunes. Ça s'appelle la macrocéphalie. Roger Samnik, psychosociologue depuis Ngaoundéré. Il veut savoir si vous reconnaissez que c'est de ça que souffrent toutes nos villes. Ouais. Bonsoir, moi c'est Vondo Daniel Yvan. J'ai une question pour monsieur Guy, s'il vous plaît. Quelle est la solution que vous proposez? Par rapport à quoi? Justement. Bonsoir Rosalie, je vais demander à monsieur le maire pourquoi Kribi est devenu l'ombre de lui-même. Patrick Juvet depuis Lolodof. Je ne sais pas de quoi il parle. Bonsoir à vous au plateau. Dites à monsieur le maire d'aller casser chez Martino Benaye. Il a construit en pleine route Pierre depuis le port autonome de Kribi. Et que lorsqu'il va casser là-bas, nous tous, on va comprendre qu'il est déchaîné. Vous pouvez aller casser chez Benaye? S'il est sur la route. Il n'est pas sur la route? Si on en parle, ça veut dire qu'il est sur la route? Non. Moi, je connais ses maisons. Il est sur quelle route? Bonsoir, Rosalie. Ce rigueur et moralisation ont accouché, c'est laxisme. Le dérèglement moral, anti-administratif, résultat des tournements de fonds impostus aujourd'hui. La coupe est pleine, car les faits sont têtus. Est-ce que monsieur le maire ne convient pas avec moi de cette réalité? Vanel Le King. Bon, c'est son opinion, c'est son avis. C'est son avis. C'est vrai que la morale... C'est vrai que les choses vont sens dessus dessous, mais il y a une lueur d'espoir parce que qu'ils aient confiance. Le chef de l'État prêtait serment en 2018. Nous sommes à un tournant historique. C'est lui-même qui le dit. Un tournant historique. Il faut un peu de patience pour que les choses prennent. Et avec des jeunes qui sont déterminés aujourd'hui, les choses ne seront plus jamais comme avant. Alors, monsieur le maire, on va sortir de cette émission. Je vais vous inviter à regarder votre caméra, celle qui est en face de vous, et de passer votre dernier mot pour cette soirée. Oh, je souhaite beaucoup de courage à notre peuple. Je souhaite beaucoup de courage à notre peuple qui est assez résilient. Nous sommes résilients. Nous sommes un peuple... déterminé, un peuple de batailleurs, de combattants pour la vie, combattants pour le bien-être. Vraiment, il faut qu'on persiste sur cette voie. Mais nous sommes aussi un peuple tolérant, nous aimons la paix et qu'on continue à vivre dans cette paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et à vos populations de Kribi?
Ben, déjà beaucoup de courage pour ce qui est. Non, moi je les connais, je les côtoie, je les salue ici. Je vais leur présenter les engins, j'ai envie de dire le 16. Je ne suis pas encore tout à fait, mais le 16 décembre, je sors les engins. Ils vont faire le tour de la ville et ils vont voir que nous ne sommes pas dans de la blague avec ça. Et à côté, j'invite tous ceux qui veulent s'inscrire, hein, pour la fanfare de la ville, qu'ils viennent, parce que la ville a acquis des instruments de musique pour avoir une fanfare urbaine. Ils sont tout neufs, ils sont... La ville doit avoir une fanfare. Et je veux m'aller plus loin, il faut un orchestre. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais ça rapporte quoi aux populations? Mais une fanfare ou un orchestre sont des projets générateurs de revenus. Parce que ceux qui veulent prendre un orchestre, ceux qui veulent louer, c'est des projets générateurs de revenus. Vraiment, je les invite à venir. Parce que moi-même, je vais me mettre sur, peut-être au saxophone. Je ne veux pas rater ça. Bien, il faut venir. Merci, monsieur le maire. Merci pour ces moments de convivialité que vous nous avez offerts ce soir. Mmh. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Ouais. On espère que les populations de Kribi ont appris quelque chose ce soir, ont retenu, et que les autres Camerounais également, vos autres confrères à la tête des différentes mairies ont également écouté. Tout ce que nous souhaitons, c'est avoir de belles villes avec des infrastructures de qualité. Absolument. Dans la propreté et l'urbanisme. Absolument. C'est le souhait de tous les Camerounais, absolument, mais également des populations de Kribi. Mmh. On vous souhaite de rentrer dans de bonnes conditions. Merci, merci à vos nombreux téléspectateurs et charmantes téléspectatrices. Ici donc s'achève cette autre livraison de votre émission À vous la parole. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité, à toute l'équipe technique qui était mobilisée ce soir. Ismaël était derrière les caméras. Ben Valls a encore réalisé cette émission. Célestin Tomo était au mixage vidéo. Je ne vais pas oublier tous ceux-là qui travaillent également au-delà de cette salle. Alors, je vais penser à Vicky qui a battu un travail formidable aujourd'hui. Je vais penser à Jacques Bitié-Bia qui était également au four et au moulin. Je veux penser au rédacteur en chef Amara qui également a mis la main à l'étrier. Sans oublier bien sûr Nadège Fridio qui reste également une participation efficiente à ce programme. Sur ce, je m'incline, respect, monsieur Dudoné Nfa. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec une autre personnalité pour échanger encore sur les réalités du Cameroun. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.